Si une coupe canne, l'a été coupé canne, l'a été coupé hauteur qu'il faut. Zamalat en l'a canne, qu'on artiste. Si une d'autre coupé, qu'on cochon, pas trouver Zamalat bon côté. Bon. T'es une vos amarré, camarade, canne, qui arrive en pied à couper là. C'est fort, il faut. Nous sommes au lendemain de la départementalisation. Mais nous sommes dans un contexte, disons, où encore l'économie guadeloupéenne est une économie canière, agricole fondamentalement. Il y a 53% de la population guadeloupéenne, population active, travaille dans l'agriculture. C'est le domaine des grandes habitations, où avec des monopoles sucriers, des grandes usines qui possèdent l'essentiel des terres, qu'elles cultivent à faire valoir direct, mais aussi une très grande partie cultivée par des colons partiaires. Les colons partiaires sont donc des petits paysans, des petits exploitants agricoles qui ont des superficies moyennes entre 2 et 3 hectares et qui, en contrepartie de la mise à disposition par le bailleur de l'open terre, doivent verser une contribution, une rente féodale entre guillemets, qui correspond dans la canne à environ 15% de la production. Dans d'autres secteurs, c'est plus important. Dans la banane, parfois, ça peut aller jusqu'à 30%. Il n'y a pas d'organisation syndicale puissante. En tout cas, les paysans se sentent quelque peu abandonnés. Et puis, vers la fin des années 60, donc, il y a un changement qualitatif qui se fait. C'est l'apparition des premières organisations paysannes. Que dans le milieu des années 60, il faut dire que la Guadeloupe produit à peu près 1 800 000 tonnes de canne. Et puis, comparativement à aujourd'hui, où nous sommes aux alentours de 500 000. Mais il y a aussi énormément d'usines. Mais dans cette décennie-là, 60-70, les usines aussi commencent à fermer. 59 déjà, il y a l'usine Robert à Marie-Galante qui ferme, il y a l'usine Pivogue en 62, l'usine Rougeol 62-63. L'usine Courcelles également à Sainte-Anne en 65, le 67-68 c'est l'usine Marquisa qui ferme. Ensuite en 73, donc il y aura deux usines qui vont fermer, c'est l'usine de Bonnet, l'usine de Comté sur Sainte-Rose. Et puis après vont se succéder des fermetures d'usines avec Blanchette, Darboussier, Beauport, etc. Donc on passe de 14 usines, hein, ce que nous connaissons aujourd'hui avec Gardel seulement la usine. À la fin des années 60, 69, donc 70, il y a des gens qui prennent l'initiative, des militants nationalistes, qui décident d'organiser la paysannerie de façon à sortir les paysans, à les aider à lutter contre l'exploitation qu'ils subissent. Et puis l'espoir, on est donc aux années 70, avec une nouvelle organisation qui va, après un gros travail d'enquête réalisé à la campagne, où des intellectuels, disons, sur des positions révolutionnaires, hein, de transformation sociale, vont discuter avec des paysans après ce travail d'enquête pour leur demander « bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont les problèmes que vous avez ?» Ils se mettent, ces intellectuels-là, à l'école des paysans. À l'école des paysans pour apprendre auprès des paysans et les aider à s'organiser, les aider à comprendre les mécanismes de l'exploitation. Parce que souvent, vous êtes paysan, vous êtes exploité, vous subissez l'exploitation, mais sans savoir vraiment d'où ça vient, quelle est la logique. Et là, ces intellectuels-là arrivent à expliquer. Des aveugles qui commencent à voir, quoi. Ils comprennent l'exploitation. C'est le début d'un syndicalisme nouveau, du syndicalisme paysan. Alex Octuvon-Basile, collaborateur de Jacques Berthelot pendant 4 ans, pratiquement, de 1980 à 1984. Sa réputation le précédait. Il est vrai que la plupart des jeunes architectes de l'époque, les stagiaires, passaient dans son agence. Alors, lui, Jacques Berthelot, son dada, si vous voulez, c'était de défendre l'architecture traditionnelle. Donc, ses propos tournaient souvent et revenaient souvent à l'architecture contemporaine, hein, qui se passait dans toute la Caraïbe. Il est vrai que toutes les maisons créoles étaient construites un peu sur le même principe. Hein. Il nous disait souvent, on voyait un deux pièces cases, le deux pièces cases comme on l'appelait à l'époque, était constitué de deux modules 3x3. Et ces dimensions qui étaient normalisées dans toute la Caraïbe permettaient le transport des cases. La case posée sur 6 pierres ou au mieux un carré sol.
placé sur la charrette exprime le déplacement de la famille suite à une expulsion, une décision de migration volontaire vers une autre section de la commune ou encore une séparation et une mésentente. Dans les années 1960, avec la rénovation de la ville de Pointe-à-Pitre, le déplacement des cases change d'échelle. Il s'agit de libérer l'espace pour la construction d'immeubles collectifs d'habitation. Et il disait souvent que ces cases permettaient justement, par rapport à la politique coloniale de l'époque, à résister. C'était une espèce de résistance. Les bases qu'il insufflait aux jeunes architectes, c'était que la case créole était une référence en fait, parce que les anciens savaient construire. Ils savaient protéger du soleil, de la pluie à la fois. Et il y avait une bonne ventilation. Donc il nous disait qu'une case doit être toujours bien ventilée. Et il y avait un triptyque à respecter. C'était le séjour, la cuisine et la terrasse qui devaient être en relation et qui permettaient un déplacement spatial dans cette case créole. Alors, les principes de base pour obtenir une certaine fraîcheur, c'était que la construction créole est de base en bois. Alors, pendant longtemps, on a eu des constructions avec de très bonnes ventilations et chaque île avait son dessin, on appelait ça des ventelles, une façon d'être ventilé, etc. Et au bout d'un moment, vous savez, à cause des cyclones permanents qu'il y avait à l'époque, est venu ce qu'on appelle la case aménagée. La case aménagée, c'était une case créole de base et autour de cette case, on a construit des éléments en dur. Mais le principe restait le même. C'était dans les années 78 et on a commencé à faire des cases aménagées. La mairie des Abîmes, c'est un très bel ouvrage qu'on voit. Et si vous voulez, beaucoup d'architectes se sont un petit peu inspirés de ces principes constructifs. Et après, il a construit également le musée de Garoclère, que j'ai également suivi, celui de chantier. Le musée de Garoclère, qui est un très beau musée, antillais. Alors avec un autre dessinateur que je vais nommer, c'était Max Le Superbe, nous avons collaboré par des croquis, des dessins faits main sur tous ses ouvrages. Sur le cas antillais Jean Mouncarité, qui a été publié en 1982. Alors, c'était la suite de... Il résumait de ce fait toutes ses visites dans les îles, parce qu'il nous disait que les cases antillaises étaient basées sur le même principe. Quelles que soient les îles anglaises ou autres, c'était toujours le même principe. Effectivement, Jacques Berthelot, il avait des convictions. On savait qu'il était indépendantiste, il défendait donc la Guadeloupe. La Guadeloupe, ses principes, et la façon d'être, qui revendiquait l'indépendance des peuples, et qu'on respecte leur façon d'être, en quelque sorte. L'architecture traditionnelle, plus connue aussi sur l'habitat vernaculaire, sa définition, c'est construire avec les matériaux qu'on retrouve dans la nature. Donc à l'époque précolombienne, on va retrouver en fait un habitat avec des matériaux très naturels, donc ce qu'on appelait la mounia. À l'époque coloniale, on va retrouver un habitat, enfin une case créole qui va retrouver en fait ce legs africain. Donc une case qui va se développer sur la forme circulaire. La case a évolué, donc en fait pendant l'esclavage, on va retrouver un habitat qui aura une émergence un peu plus rectangulaire, donc on va retrouver cette forme 3x3. Donc à partir de 1848, après l'abolition de l'esclavage, bien sûr, donc les cases continuent à être des cases 3x3, mais bien sûr, elles ont une autre propriété, elles vont s'adapter en fait aux personnes qui y habitent. Donc en gros, quand on a besoin d'une pièce, on la rajoute. Donc déjà la galerie, qui est un ajout vers la façade avant de la case. Ensuite, les autres pièces. Il y a la case, la deux pièces case, mais il y a aussi ses annexes. Les annexes sont la cuisine, mais également les toilettes. Donc les toilettes, ce qu'on appelait aussi catiche. Et ces éléments, en fait, étaient pas rapprochés de la maison, mais en fait un peu en retrait pour des questions d'hygiène. Bien sûr, on avait aussi ce qu'on appelle les pièces d'eau. Donc la récupération, en fait, par la toiture de l'eau qui arrivait soit dans une jarre ou éventuellement dans des barils. On avait aussi un système de filtrage de l'eau. L'eau arrive dans une première jarre, passe dans une deuxième pour filtrer l'eau au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'on ait la dernière jarre où l'eau devient potable. Donc la case créole va se retrouver au cœur du jardin créole.
Donc, à l'avant de la case, on va retrouver tout ce qui est l'espace d'accueil, aussi les plantes ornementales qu'on va retrouver sur cette façade-là. Sur la façade arrière, le jardin vivrier, mais les plantes médicinales et également tout autour de la maison, des plantes défensives. Aujourd'hui, cette case, elle a été longtemps méconnue, longtemps non médiatisée en fait. Et quand on voulait rénover justement un quartier, ben, la seule technique qu'on avait, c'était de détruire tout et de concevoir quelque chose de plus technique. Or que cette case créole avait en fait sa propre technicité. Elle répondait en fait à tous ces aléas naturels qu'on avait en fait sur le territoire. Donc les fortes chaleurs, les cyclones, les tremblements de terre. Donc cette case en fait avait une réponse dans sa construction.